Salut à tous et à tous les amis, c'est BZH, on se retrouve aujourd'hui sur Construction Simulator 2 pour la suite de nos aventures, de notre chantier en partie 4. Aujourd'hui, nous allons donc faire toujours du terrassement et de l'assainissement. Cherchez mes mots, pardon. Alors, on va, hop, vite fait, regarder le briefing, qu'on puisse voir où nous étions arrivés, tout simplement aperçu des contrats. Donc je suis sur le chantier aménagement du terrain nord-ouest, hein, donc toujours, hein, donc en partie 4. Étape 3, donc terrassement, suivi de travaux de canalisation et pour terminer le chantier, niveler le terrain. Voilà, donc pour finaliser tout ce long terrassement. Allez, c'est parti. Commençons à travailler. Donc dès le matin, vous voyez, j'ai attendu patiemment que la nuit passe, hein, tranquillement, histoire de d'attaquer de bon matin. Hop, un petit coup de laser, on regarde un peu la surface donc l'on a décapé. Donc voici à peu près en gros ce que ça donne. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va pousser ici, puis après on va pousser en longueur. Allez, c'est parti. Hop. Ah oui, alors c'est vrai, hop, il faut que je passe tout de suite en caméra orbitale parce que sinon ça va poser problème. Alors un chantier bien sympathique quand même, je trouve, parce qu'il y a de bonnes étapes concernant le terrassement, l'assainissement. C'est pour ça que je pense franchement que le jour où ils vont nous faire un construction simulator digne de la suite du 15, enfin même mieux carrément, parce que bon, c'est vrai que le 15 était bien mais avait quand même pas mal de points noirs, de problèmes, hein. Hop, alors je pense qu'on va être pas mal. Je vais juste pousser un peu côté, histoire d'avoir une marge pour le déplacement. C'est pas non plus petit bulldozer. Hop là, voilà. Alors, toujours le problème des vues, hein. C'est vrai que ça c'est un problème récurrent. Voilà. Je suis dans le poteau, je pars en piquet quoi. Voilà, on va pousser un petit coup là quand même. Ça c'est pénible, hein, franchement. Hop. Ça je trouve c'est vraiment le gros point noir quoi. C'est chez Construction Simulator, ça a toujours été un problème. C'est leur caméra. Je sais pas pourquoi ils peuvent pas faire comme tout le monde, mettre une simple caméra en mode vue libre quoi. Je veux dire que vous pouvez à tout moment changer, je pense, parce que c'est parce qu'il y a l'utilisation des deux joysticks. Du coup, à mon avis, c'est sûrement la raison qui fait qu'ils ont pas pu mettre une caméra libre dans un joystick, parce que sinon, bah évidemment, ça risque de poser problème. Alors, un petit coup de laser. Ah ouais, donc il va falloir que je pousse encore plus. Ouais. Bon. Je vais peut-être finalement pousser dans le sens. Attendez. Hop. Alors déjà, faudrait que je puisse. Bon bah tant pis pour les piquets, hein, ils vont sauter. Enfin, ils vont sauter. Je vais passer à travers. Ça
ça va pas être le terrassement le plus propre, mais bon. C'est vrai que c'est pas évident en plus là de décaisser avec un D8T dans une zone aussi restreinte. J'aurais peut-être dû prendre le Lieber. Voilà, je me suis fait carrément. Vous voyez, la terre elle bouge et tout, c'est pas mal. Alors, hop. Bon, impeccable niveau décaissage. On est très bien là. Risque de faire un peu de dégueulasserie au bout, mais bon. Attendez, je vais mettre, voilà, la fuite hein, pour enlever tout le menu, hein, si vous voulez être en full écran. C'est appréciable, je trouve. Attention, hop, voilà. Un peu trop tard, mais bon. Ok. Ah, c'est franchement, vous voyez, c'est... C'est d'un pénible royal, hein, franchement. C'est juste l'histoire des vues, finalement, parce qu'on peut pas être... Enfin, on peut pas vraiment faire des fois ce qu'on veut. Je trouve que c'est un peu frustrant, des fois, mais bon. On est un peu forcé de s'adapter bien tant que mal. Moi, en tout cas, je trouve que je galère pas mal. Vraiment pas super propre mon travail, mais bon, j'espère que ça sera validé quand même. Je vais prendre de côté et tout là. Par contre, je pense que je vais rigoler. Hop. Alors. Hop, un petit coup de laser. Ah ouais, on est carrément bien en fait. On est même sorti de la zone en fait. Ok. Je vais juste finalement mettre un coup de lame là-bas. Et ça va être good. On s'en sort pas trop mal, mine de rien, même si c'est un peu le foutoir là, par contre, ce terrassement. Faut le dire, hein. Je veux dire, là, c'est vraiment... Par contre, ouais, ça risque d'être plus chaud. C'est collé à la paroi et tout. La collision. Mais on va regarder. Ouais, en fait, c'est juste là en fait, quoi. En clair, j'ai juste ici à. Faut que je me démerde pour détruire ça. On va y arriver, hein.
quand même un V8T. Ça devrait le faire. Ok, impeccable. Voilà, donc hop, on dégage la zone. Tel il nous est demandé. Voilà. Alors, utilisez une chargeuse sur pneu pour charger les matériaux depuis la zone indiquée dans un tombereau et livrez-les à la gravière. Très bien. Alors, du coup, notre tas, il est... Ok, c'est juste celui-là. Bon, impeccable. On va donc mettre le bulle à côté de la 4. Toujours bien ranger son matériel, hein. Voilà. Hop. Alors, on va prendre donc la chargeuse. Hop. En caméra orbitale. Une caméra orbitale, en clair, c'est pourquoi je mets cette caméra, parce qu'en fait, c'est la seule caméra entre guillemets où, si vous appuyez sur le joystick de droite, vous pouvez donc, comme ceci, tourner la caméra librement. Donc, faut mixer entre caméra commande et caméra vue. Donc, c'est pas toujours évident. Alors, hop, on va prendre le tombereau, puisque mon camion, vous voyez, il est plus que plein. D'ailleurs, il faudra qu'on aille vider tout ça. Voilà. Si on peut tout mettre dans la benne, ça serait top. Je pense pas, à mon avis, on va devoir faire les allers-retours.
Ok. Allez, on va devoir vider le camion et le tombereau. Donc, hop. Comme d'habitude, je vais pas m'embêter. Ce qu'on va faire, c'est que je vais faire la téléportation. Puisque de toute façon, le remblai nous est remboursé. Donc c'est cool. Ça coûte un peu de frais, hein, forcément, de téléporter comme ça vos véhicules, mais bon. C'est un gain de temps, sinon faut passer par, par la route et ça met un peu de temps. Pour abréger tout ça, on fait transport rapide. Plus simple, je trouve. Voilà. Vous allez voir, ça va être vite remboursé de toute façon, ça qui est plutôt bien. Voilà. Hop. Allez, on le ramène sur notre chantier. Ok. Donc, dégager la zone. Donc là, il va falloir qu'on dégage tous nos engins. Ça, c'est ce que j'expliquais la dernière fois. Je trouve que c'est un peu chiant, ça, finalement. En fait, vous devez tout le temps sortir les engins de la zone. Oula. Le macadam et le trottoir, hein, évidemment. Hop, on passe dans l'appel. Il faut virer également. Voilà, on termine avec le tombereau.
passer juste là, hein, tout ça pour dire qu'on passe à l'étape suivante. Et voilà. Alors, je pense que c'est pas assez viré. Bon, on va carrément les enlever du trottoir, j'ai l'impression. Ah, c'est dingue. Enfin. Ok, donc étape terminée, creusez la tranchée, creusez la zone indiquée sur le chantier, placez la terre non loin, ensuite vous pourrez vous en servir pour combler la tranchée à l'aide du bulldozer. Ok, on va regarder rapidement dans le contrat. On est arrivé donc sur l'étape 4, travaux de canalisation. Ah, on aura quand même... donc, 3 palettes de tuyaux en PVC, plus 3 palettes de tuyaux... ok, d'accord. Alors finalement, faut sortir la pelle pour la re-rentrer. C'est un peu zarbe des fois. Je vais repasser encore dans... Ah, cette histoire de vue, c'est... Rien que ça, ça peut vous couper l'envie de jouer, quoi. Faut être patient. Voilà. Donc on va juste ouvrir la tranchée et puis on fera l'étape suivante, donc aller chercher les fameuses palettes de tuyaux. Et on pourra procéder à tout cela dans la partie 5. Voilà, je vais me placer, je vais juste l'ouvrir quand même. Voilà. Alors vous voyez, pourtant j'ai commencé l'épisode en journée, il fait déjà nuit, en moins de 10 minutes finalement, c'est ce que j'expliquais hein, par rapport au cycle du temps qui passe quand même carrément trop vite et qui n'a pas possibilité d'être bloqué. Alors un petit coup de laser, bon, c'est comme les autres tranchées qu'on a fait, c'est pareil, c'est la même. Du coup on va allumer feu, voilà. Ok, allez, c'est parti. Finalement, même la nuit, c'est quand même bien éclairé, parce qu'il y a quand même des projecteurs sur le chantier. Ça va encore, quoi. Finalement, on peut quand même rester de nuit. C'est pas trop gênant, puisque c'est quand même bien éclairé. Heureusement. Je pense que je vais pas être bon parce que là-bas c'est pas terrible.
sûrement un coin. Alors, des fois, c'est vrai qu'il chipote pour un tout petit truc. Ok, voilà. Comme je disais, c'était un petit truc tout simple. Voilà. Allez, on dégage la zone.